Ankuicho. Ông nhìn vào cả một tổ cái tầm loại can để phi tạm mặc cá năng phật đạo về cả chân từ bây giờ vì ông ta cái xế bây giờ vì cả về cái đầy lục khi sầm phón một tổ thừa để sơn thàn nó bọc luôn Merci, Monsieur le Président. Je vais poursuivre cet après-midi en parlant d'un thème très important pour la défense de Khieu Samphan et dont j'ai dit ce matin qu'il avait été complètement oblitéré par l'accusation. Il s'agit bien évidemment, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, du conflit armé. De façon générale, et ça c'est depuis l'instruction, le conflit armé a été négligé et son impact sur les faits également. Je rappelle, je ne sais pas si vous en souvenez, Monsieur le Président, mais lorsque nous avons discuté de la manière dont devait être organisée la présentation de la preuve dans le procès de deux, les deux équipes de défense avaient souhaité commencer par le conflit armé, parce qu'il s'agissait de planter le tableau du pays et le tableau dans lequel s'inscrivaient les faits que vous avez à juger. Finalement, vous avez décidé le contraire et c'est à la fin seulement du procès que nous avons évoqué ce conflit armé. Et c'est dommage, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, c'est dommage parce que ce conflit armé, c'est un préliminaire nécessaire. Et c'est pour ça que dans notre mémoire, comme je l'ai indiqué ce matin, nous avons parlé du conflit armé, de ses sources, de ses origines et surtout de sa chronologie. Et comme je vous le disais, la chronologie, elle est importante, pas parce que nous voulons faire de l'histoire, je vous ai dit, ce n'est pas tellement le principe d'un procès, mais c'est de remettre les éléments factuels dans leur contexte. Alors, pourquoi c'est important de parler de ce qui s'est passé avant? Pourquoi c'est important de parler des frontières? Pourquoi c'est important de parler des différentes interactions qu'il y a eu entre les différents mouvements révolutionnaires vietnamiens et cambodgiens? Parce qu'on est dans ce qui est important quand on parle des faits, le contexte, mais également les raisons qui peuvent motiver les uns et les autres à prendre telle ou telle décision. C'est un élément fondamental et c'est un élément également fondamental parce que lorsqu'on a des faits qui s'inscrivent à différentes périodes, sur une longue période qui concerne un procès, ce n'est pas tous les procès internationaux qui s'étendent sur tant d'années que cela, c'est important de revoir ce qui se passe en 75, en 76, en 77, en 78 jusqu'à l'arrivée et l'invasion vietnamienne de janvier 79. C'est important aussi de rappeler le contexte géopolitique complexe qu'il y avait. On parle de faits, on parle des Chinois d'un côté, on parle de visites de Yougoslaves de l'autre côté, et en même temps, du côté de l'accusation, on ne rappelle pas forcément que nous sommes en pleine guerre froide. Ça veut dire qu'il y a des jeux de pouvoir, des jeux d'influence et qu'il y a des positionnements des États en fonction de ces jeux d'influence. Alors, je ne vais pas, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, vous replaider ce que j'ai pu vous plaider lorsqu'il y a eu des audiences de documents clés, à la fois sur les groupes spécifiques, à la fois sur le conflit armé, à la fois aussi sur les coopératives, etc. L'intérêt de la participation à ces audiences de documents clés, c'était également de parler précisément de tous ces éléments. J'espère que vous les garderez en tête. J'espère que vous garderez en tête aussi d'autres éléments que nous avons développés dans notre mémoire, à savoir la question de la manière dont on a jusqu'à présent, jusqu'au CETC, parler
du conflit armé entre le Cambodge démocratique et le Vietnam. Justement, lors d'une audience de documents, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, vous avez cité un proverbe africain qui disait que tant que les histoires de chasse seront racontées par les chasseurs, le lion n'aura jamais sa place. Et c'est un peu ça, ce qui s'est passé dans le Kampuchea démocratique, dans l'affaire du Kampuchea démocratique et son conflit avec le Vietnam. C'est qu'en janvier 1979, lorsque le Vietnam a envahi le Cambodge, ils étaient les vainqueurs et les dirigeants du PCK ont pris la fuite et s'en est suivi, enfin plutôt le conflit a perduré, mais en tout cas sur le territoire du Cambodge, c'était le Vietnam et ses alliés qui avaient la place et les mains libres, qui avaient accès aux documents qui se trouvaient et qui avaient surtout la maîtrise de la communication. C'est un élément qui est important à avoir à l'esprit parce qu'on a beaucoup parlé de destruction de documents, etc. Et on oublie souvent de dire que ce n'est pas forcément pendant le Kampuchea démocratique, surtout au moment de la fuite, que des documents ont disparu. Vous avez des témoins qui sont venus devant cette chambre, et notamment, je fais référence à Soumalat et à Semsrun. Là, j'évoque l'audience, le PV d'audience pour Soumalat E1/218.1 vers 16h14 et pour Sensrun PV E1/347.1 un petit peu avant 9h36 plus leur PV d'audition respectif où ils vous ont dit qu'il y a eu des consignes de destruction d'archives après 79, après l'arrivée des Vietnamiens par les autorités locales, les nouvelles autorités locales. Donc c'est important parce qu'on a toujours l'impression que le PCK a voulu dissimuler des choses, a détruit, etc. La preuve qu'on a au-dessus, en tout cas, démontre que les destructions de documents ne viennent pas forcément de faux contrats. Autre élément important aussi, et ça, c'est pour insister sur l'importance de la chronologie que nous avons faite du conflit armé dans le cadre de notre mémoire, c'est de rappeler ce que d'ailleurs les chercheurs ou les experts qui sont venus déposer devant vous vous ont dit, ou ce qui a pu être dit par d'autres, à savoir que pendant longtemps, et c'est le cas pour la plupart des ouvrages qui sont versés en preuve dans ce dossier, le conflit armé n'a été vu, n'a été analysé, n'a été traité qu'avec les archives vietnamiennes ou avec les archives soviétiques, comme pour le cas de l'expert Stéphane Maurice, qui elle-même reprenait les archives diplomatiques des rapports avec le Vietnam. Ce qui veut dire, Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal, que dans l'examen de ce conflit armé, on a souvent eu une version qui était un peu unilatérale. Et c'est l'intérêt, c'est la chance, si on peut parler de chance vu la masse de documents, mais nous avons au dossier des CETC des documents que certains chercheurs n'ont jamais vus auparavant. Des choses qu'ils n'avaient jamais vues et qu'ils n'avaient jamais commentées. Et ça, c'est important. Pourquoi je le dis? Parce que et c'est dommage. Au fil des débats, on a vu que l'accusation a souvent repris la version un peu linéaire et unilatérale du conflit armé tel que présenté par les Vietnamiens. À tel point que, c'est ce que je disais ce matin, le seul
l'accusation vous met en avant sur ce conflit armé, ce sont non seulement des faits qui sont hors champ, mais c'est en plus que des incursions sur le territoire vietnamien. Or, et ça quand même c'est la base, quand il y a un conflit armé, il y a deux camps, il y a des gens qui se tirent dessus des deux côtés, et le mythe des volontés bellicistes particulières du Kampuchea démocratique doit tomber face à l'examen des faits. Et ça, c'est important de le dire parce que jusqu'à présent, c'est quelque chose qu'on a très peu entendu. Et pourquoi c'est important? Parce que, en dehors des éléments que nous avons soulevés au cours des, comme je l'ai dit, des audiences de documents, ces éléments, pourquoi c'est important? Parce que il y a des positionnements qui sont sortis de leur contexte, qui du coup perdent complètement leur sens si on ne sait pas ce qui se passait sur le terrain militaire, aux frontières et sur le conflit armé et l'évolution du conflit armé. Et ce mythe volonté belliciste depuis le départ du Kampuchea démocratique ne tient pas face à la preuve que vous avez entendue devant cette chambre, et notamment deux militaires qui vous ont expliqué que les consignes qui étaient reçues, et je pense que l'équipe de Nunchia en a parlé pendant... a donné quelques exemples pendant leur plaidoirie. Les consignes, c'était éviter l'affrontement. Alors, comme j'ai vu à vous le dire, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, au cours des débats devant cette Chambre, je ne suis pas là avec une attitude angélique en disant il y a les gentils et les méchants d'un côté. Je pense que la réalité, elle est bien plus complexe. En revanche, il y a quand même des éléments objectifs qui sont à prendre en compte et qui peuvent expliquer pourquoi le Kampuchea démocratique a eu telle position à un moment plutôt que telle autre. Et pourquoi, quand Yang Pan, par exemple, responsable militaire, ou Chun Thi, commandant de bataillon, vous disent on a reçu des consignes pour éviter l'affrontement, c'est pas forcément que, par définition, tout le monde était pacifiste, était tout le monde est beau et tout le monde est gentil, mais c'est simplement pour des circonstances vraiment très pragmatique, qui était qu'au sortir de la guerre avec les soldats de l'ONU, il n'y avait aucun intérêt pour le Kampuchea démocratique à se relancer dans une nouvelle guerre. Aucun. Et il y avait d'autant moins d'intérêt de se relancer dans une nouvelle guerre qu'il y avait une disparité militaire qui a été attestée mais par tous les témoins, par les témoins, par les experts que vous avez entendus. Tout le monde savait, y compris les dirigeants du PCK, et particulièrement Pol Pot, qu'il y avait cette disparité militaire et qu'il n'y avait pas intérêt pour le Kampuchea démocratique à aller provoquer une force militaire qui était beaucoup plus importante que la sienne. Alors je vous dis ça. Pourquoi? Parce que ce contexte-là, il est fondamental pour comprendre aussi les discours qu'il y a. De l'autre côté de la barre, M. Koumian, que je ne vois plus dans la salle, disait, lorsqu'il a pris ses réquisitions, il a dit, ah ouais, mais le discours d'avril 78 de Pol Pot, c'est la preuve qu'il y avait une intention génocidaire. La preuve, il disait, il y a 60 millions de soldats vietnamiens, il y a 2 millions de Cambodgiens, on va tous les massacrer. Une vision très très schématique des choses. Mais si, évidemment, on sort les choses de leur contexte, on peut avoir cette interprétation qui est particulièrement biaisée. Mais surtout, si on s'attache là, on est quoi en avril 78? Qu'est-ce qui s'est passé? En avril 78, c'est déjà le discours qui est prononcé à l'occasion de l'anniversaire du 17 avril 75, donc la victoire, donc on est là, on essaye de se rappeler des victoires passées. Et puis surtout, avril 78, c'est juste après l'entrée qu'il y a eu sur le territoire du Kampuchea démocratique des troupes vietnamiennes en fin 77. On le sait, ça. On en a parlé, il y a des documents, on l'a évoqué avec les militaires, et il me semble aussi que j'ai développé dans le cadre des audiences de documents clés ce moment-là et ce qui s'est passé à la fois du côté du Kampuchea,
à la fois du côté du Vietnam, le balai diplomatique qui s'est passé des deux côtés. Voilà dans ce contexte, quel était le contexte dans lequel ce discours a été prononcé. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a quand même un problème d'honnêteté intellectuelle de ne pas parler de ce contexte-là du côté de l'accusation, mais parce que c'est fondamental pour comprendre. Oui, on parle de l'ennemi vietnamien, mais l'ennemi vietnamien, il venait à peine d'envahir le territoire du Cambodge démocratique. Alors il est parti en plus, nous l'avons vu et on en a parlé avec l'expert Stéphane Maurice. Il est parti, pas parce qu'il avait spécialement envie de partir, mais parce que géopolitiquement, diplomatiquement, c'était pas concevable de rester à ce moment-là. Et que là, il a fallu changer de stratégie. Mais c'est dans ce contexte-là que ces discours de décembre 77 ou d'avril de début 78 sont prononcés. Et ne pas en parler, et c'est oblitérer un élément fondamental pour comprendre ce qui est dit. Et ce n'est pas simplement de la compréhension. Ça a aussi des incidences légales, des conséquences juridiques. Et nous avons pris la peine, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, dans notre mémoire finale, de vous rappeler la jurisprudence, et là je renvoie au paragraphe 2235, et 2471 et suivant de notre mémoire finale, où on vous rappelle quelle était la jurisprudence d'avant-guerre et après également celle d'après-guerre sur les discours en temps de guerre et la question de la propagande. Savoir ce qui est considéré comme admissible en termes de propagande ou pas. Et ça, c'est un élément qui est fondamental pour examiner le discours à la fois des dirigeants du Kampuchea démocratique, mais également de M. Khieu Samphan. Ça a des conséquences légales. Donc ne pas en parler, c'est problématique du côté de l'accusation, parce que ça veut dire que on fait comme si ces éléments de droit n'existaient pas. Un autre point qui est important, ça a été également aussi évoqué, mais je voudrais revenir deux secondes dessus, sur le fameux témoin Pak Sok, qui a été présenté dans le cadre des réquisitions de l'accusation, comme un des témoins clés sur le génocide des Vietnamiens. Alors quand même, il faut rappeler le contexte dans lequel Pak Sok est venu témoigner à cette date. Pak Sok, il est venu parler essentiellement du traitement des Vietnamiens en mer par les forces navales du Cambodge démocratique. Dans l'ordonnance de clôture, il y a zéro fait, zéro développé sur la question du traitement des Vietnamiens en mer. C'est dans une petite note de bas de page où il y a une mention d'un télégramme j'oublie le nom, ça va me revenir. Il y a une mention d'un télégramme qui évoque cette question, mais sinon il y avait zéro développement. C'est l'accusation qui a demandé à faire venir Pak Sok dans le cadre de ce procès de deux en disant qu'il y avait des éléments fondamentaux. Et je trouve que c'est une question aussi de l'intérêt du débat. C'est quoi l'intérêt d'un débat dans une salle judiciaire? C'est quoi l'intérêt d'avoir différentes parties et d'échanger des arguments? C'est que c'est de la confrontation des arguments que vous essayez de découvrir. La vérité, si tant est que la vérité avec un grand V existe. Mais en tout cas, c'est une façon de tester la crédibilité des témoins. Et là, de façon assez artificielle, au moment des réquisitions, on vous présente une petite vidéo de Pak Sok, mais surtout, on ne vous parle pas, mais alors pas du tout, des témoins qui sont venus après et qui ont parlé des mêmes faits, qui ont dit une version, mais complètement différente. Alors, oui, je suis obligée de revenir quelques secondes dessus parce que c'est trop fort de présenter les choses comme ça. Et je le dis, je pense que c'est important de le dire à ce moment-là. Je le dis avec d'autant plus de facilité, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, que du côté de l'équipe de Khieu Samphan, il y a des choses, il y a des faits, on a fait des discussions sur les faits. Il y a des faits
qu'on ne conteste pas. Et puis il y a des faits qu'on conteste et on vous dit pourquoi. Donc, avoir, comment dire, cette analyse qui soit... oui, bien sûr, on défend un client, oui, bien sûr, je défends M. Cossampan et je vous donne sa version des faits, etc. Mais en même temps, il y a des faits objectifs que moi, je peux voir et que l'accusation également peut voir. Et ça, PAKSOK, c'est un fait objectif. Après PAKSOK, alors. En plus, PAKSOK, il a été présenté par l'accusation comme un cadre. J'ai entendu cadré. Il est cadré de rien du tout, il n'est pas cadre. Hein. PAKSOK, c'est un petit soldat, plus bas niveau. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et on prend la déposition isolée de PAKSOK et on vous dit, voilà la preuve qu'il y avait une intention génocidaire. Et dans l'armée, d'ailleurs, on leur disait de tuer des civils et des petits-enfants. Alors PAKSOK, il était simple soldat, il était positionné pour défendre les eaux cambodgiennes et certainement pas un cadre. Et ça, c'est lui qui vous l'a dit. C'était à l'audience du 5 janvier 2016, E1-370.1, et il vous a expliqué que il n'a su que ce qui s'était produit au sein de sa propre unité, qu'il ne savait rien des politiques des Khmer Rouge et qu'il n'a participé à aucune session d'études à un niveau supérieur à celui de du bataillon. Il vous dit également, ça c'était à la même audience, vers 14h07 et 6 secondes, qu'il n'a pas participé à des réunions au niveau du régiment. Et là, je vais citer la question qui m'est posée et sa réponse. Question. Avez-vous participé à une quelconque réunion présidée par le niveau du régiment à ce propos précis? Donc, on parle de la politique supposée à l'égard des Vietnamiens. Sa réponse. Non, je n'ai jamais participé à une quelconque réunion au niveau du régiment. En général, je participais à des réunions au sein de mon unité. Question. Et qu'en est-il des réunions qui avaient lieu au niveau de la division? Est-ce que vous avez participé à des réunions à ce niveau au sujet des questions qui sont abordées maintenant? Réponse. En tant que combattant, je n'ai jamais participé à une réunion au niveau de la division. Je n'ai même pas participé à des réunions au niveau du régiment. Fin de citation. Et il vous explique que donc, ce qu'il aurait entendu de dire qu'il fallait, y compris, tuer des civils vietnamiens, ça aurait été par son chef direct. Et il suppose que son chef direct aurait eu un tel ordre de sa hiérarchie. Et PAKSOK, c'est le seul témoin militaire qui vous explique qu'on lui aurait donné l'ordre de s'attaquer à des civils. Et quand l'accusation vous présente son témoignage, elle ne vous dit pas ça, elle ne vous parle pas des autres témoins qui ont été entendus. Alors je ne vais pas revenir sur le détail, puisque l'équipe de Nyon Chia en a parlé, mais il y a Niveu, il y a Prum Sarat, il y a Mak Chun. Tous ces gens-là qui avaient un niveau supérieur, ce n'étaient pas des simples soldats. C'est des gens qui ont eu des postes de commandement, etc. Ils vous ont dit, non seulement on n'a jamais entendu de tels ordres, mais on a reçu des ordres contraires. Donc on a la déclaration isolée d'un simple soldat. Et puis de l'autre côté, on a plusieurs déclarations militaires à des endroits différents qui vous disent au contraire, mais on vient vous diffuser ce clip vidéo en vous disant, voilà, c'est la preuve parfaite. Il y a un problème, d'autant que ce sont des militaires, donc c'est dans le cadre du conflit armé qu'on parle. On parle du conflit armé.
Et je veux simplement rappeler ce que avait dit Miven. Il avait dit, moi, l'ennemi, c'est celui qui me tire dessus. Voilà. C'était ça. En tant que militaire, ils avaient très bien compris ça. Alors, quand on vient nous dire, de l'autre côté de la barre, que le discours de Pol Pot d'avril 78, c'est la preuve parfaite qu'il fallait s'attaquer à tous les Vietnamiens dans tous les sens civils, militaires, et que c'était la preuve d'une intention génocidaire. Non. Et je le dis d'autant plus facilement que, à la barre également, Prum Sarat vous a évoqué cette question, ce même discours qui a été cité par l'accusation comme preuve qu'il y avait une volonté génocidaire. Il vous l'a commenté, il vous l'a dit qu'il avait bien compris, lui, quand il avait entendu ce discours, que Pol Pot parle de ces 60 millions de soldats et des millions de soldats d'un côté et de l'autre, il n'a pas compris que c'était pour aller massacrer les Vietnamiens, quels qu'ils soient. Et là, je vais citer ce que dit Prum Sarat, c'était à l'audience du 26 janvier 2016. PVE1-382.1 vers 15h38. Et voilà ce qu'il dit Prum Sarat à propos du discours de Pol Pot. Il n'y avait pas 60 millions de soldats vietnamiens et 2 millions de soldats cambodgiens. Non, c'était un discours qui cherchait à inspirer les soldats cambodgiens à préparer les lignes d'attaque et saisir la victoire. Donc, en avril 78, quelques mois à peine après l'entrée dans le territoire des troupes vietnamiennes, et qu'en plus, il fallait essayer de donner un peu de courage parce qu'on savait que la disparité militaire était telle que c'était compliqué. Et ça, tous les témoins militaires à cette barre vous l'ont dit. On était moins bien armés, on était moins nombreux, on essayait de contenir l'entrée sur le territoire, mais on n'attaquait pas parce qu'on n'avait pas les moyens, ils vous l'ont dit tout ça. Donc oui, le conflit armé, il est important parce qu'aussi, oui, il y a des conséquences et dans l'examen factuel et dans l'examen juridique des faits. Et pour répondre, une petite parenthèse, parce que dans ses réquisitions, le procureur international Kouyan a évoqué le fait que dans un de ses discours, Pol Pot, que Sampan, je ne sais plus ce qu'il disait, a évoqué que Sampan. C'était à l'audience du 15 juin, un petit peu avant 11h23 et 15 secondes. Il vous dit, voilà, que Sampan a parlé des Vietnamiens en disant qu'ils étaient barbares et qu'ils étaient comme Hitler, comme si c'était quelque chose qui était étonnant à ce moment-là. Eh bien, je renvoie la Chambre et l'accusation à un document qui est versé au dossier, document E3-1-0709, qui est un article où on interviewe Somdek Norodom Sihanouk, qui dénonce l'agression vietnamienne. Je vais ralentir. Dénonce l'agression vietnamienne du 12 janvier 1979 et qui, lui, aussi compare l'agression et l'invasion du territoire cambodgien et compare à l'invasion par Hitler de l'Autriche. La Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie. Voilà ce qu'il vous dit. Donc, c'est un document
ce contexte de conflit armé est important pour analyser les discours et on ne peut pas dire n'importe quoi et soutenir que c'est la preuve d'une volonté génocidaire alors que les gens parlent très clairement de forces militaires, de forces armées. Et oui, on utilise le mot à valeur du territoire parce qu'à ce moment-là, on était dans ce contexte où il y avait des troupes qui étaient rentrées dans le territoire cambodgien. Et je rappelle à ce sujet, et là ce sera mon dernier point sur ça, que dans l'arrêt 2-1, la Cour suprême au paragraphe 883 avait d'ailleurs été dans ce sens-là, sur cette question de l'analyse du discours de propagande, puisque elle avait censurer votre erreur d'interprétation dans votre jugement 2-1 en disant que le discours de Khieu Samphan qui évoquait Udong à un moment, la prise d'Udong, c'était un discours en temps de guerre analysé comme un discours de propagande. Donc là, je vous demande bien sûr de garder cette jurisprudence en tête.